j'ai envie de sauter dessus. Oh, oh merde. Oh non, Peppa a encore abusé sur le McDo hier soir. Maman, je voulais m'éclabousser de caca, mais il a cassé. Avec quoi on va s'éclabousser maintenant? Oh, c'était pas grave, Peppa. J'ai un autre truc qui va bien t'éclabousser la gueule. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est? La substance qui t'a mise au monde. Tiens, c'est facial. Oh. Bleh, c'est tout gluant et c'est pas bon du tout, hein. À ton frère, maintenant. Bleh. Vous exagérez, votre maman adore cette crème. Oui, même toi, t'adores te faire des faciales. Tiens. Oh, j'adore. À moi maintenant. Yummy. Je tiens un gros tuyau. Pourquoi l'eau n'arrive pas? Eh oui, Peppa est un peu beaucoup trop con. La prochaine fois, il faudrait qu'elle le fasse avec un flingue. Comme ça, ça fera notre repas de ce soir. Dis-moi, pourquoi t'es habillée comme un pompier? Oh, mais ça, c'est parce que j'éteins du feu, ma fille. Si je me mets dans du feu, ça fera du rôti, non? Au moins, ça fera notre repas de ce soir. Dring, dring. Oh, il doit y avoir un feu. C'est pas grave, y a rien d'urgent, ils vont juste cramer. Allô? Quelle est votre urgence? On a mis le feu au barbecue. Du coup, là, on chante fire. Fire! Fire! Ouais, oh fire! Fire, fire, fire ouais, oh. Oh mon dieu, y a le feu, au feu, au feu. Oh non, un barbecue en feu. Je prépare ma grosse lance d'incendie. Oh non, le barbecue est tombé à l'eau. Oula ! J'étais à deux doigts de finir en rôti. Dommage, j'adore le rôti. La prochaine fois, faire un barbecue sans feu, ça sera moins dangereux. Car le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Oh, regardez, il y a plein de caca par terre. Oui, j'adore m'éclabousser de caca, c'est mon activité préférée. Ouais, du beau chocolat sa mère. Oh, mais oui, allez-y, mangez tous vos œufs Kinder. Comme ça, je serai débarrassé de... Il me casse trop les couilles, ce petit. Oh non, vous avez pas d'œufs Kinder. Attendez, je pompe par la tête, et voilà. Papy, t'es une poule. Et maintenant, Papy Pig, est-ce qu'on peut les manger? Bien sûr, comme ça, je serai plus vite débarrassé de vous. Oui. Wesh, bien ou quoi, les mioches? Mamie, mamie, on a mangé plein d'œufs Kinder. Je dirais plutôt que vous avez mangé de la bouse, comme l'autre fois. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir une gastro. Peut-être qu'après, vous allez crever. Mamie, elle est trop marrante. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cousine, t'es là? Je vous présente l'écureuil gamer et la grosse blaireau bigleuse. Et fais gaffe à tes noisettes, je peux te les voler, je parle pas des fruits secs. Et moi, c'est pas parce que je suis un blaireau qu'il faut tout le temps me faire blairoter. Cool, moi je m'appelle Peppa. On va t'appeler Cochonne. Oh. Et lui, c'est mon frère Georges. On va t'appeler Crotte. Oh. Et tout à l'heure, tu nous as pas dit que tes cousins c'était des bébés. T'as 6 ans, qu'est-ce que tu dis, wesh? Bah oui, je suis une grande personne, moi. C'est Georges, le gros bébé. Et si je t'en colle une pour que tu fermes ta gueule? D'accord, vous avez raison, on est des gros bébés. Fais-moi la malaine, la petite cochonne, hein, elle a peur de finir en saucisse. Nous, on a 12 ans, donc on est presque adultes. Et moi, je suis une thug, je porte une tête de mort sur ma casquette. Ça m'arrive aussi d'être une thug. Je me couche à 20h30 au lieu de 20h. Oh là là, les amis, on a affaire à une grosse thug, là. Eh ouais, t'es impressionnée, hein? Mais non, je déconne. Tu devrais être la cousine de l'autre blaireau. Maman, ma cousine Lane l'anglaise va venir? Oui, elle va venir pour pratiquer le français parce que trop marre de faire « i » en anglais. Ah oui, je suis trop contente. Tchou tchou. Les Poudlard Express arrivent. Cousine. Bonjour. Eh ben dis donc, elle a grossi la malle d'Harry Potter. Eh bien, il lui fallait toutes les spécialités de notre pays, genre tous les tomes d'Harry Potter, du pudding, du pudding, du pudding, et encore du pudding. Mais non, je déconne, on mange pas que du pudding, ça nous arrive de manger du fish and chips. Pourquoi ton père, il a les lunettes d'Harry Potter? Il aurait dû lui voler sa force au lieu de ses lunettes ringardes. Je peux vous poser une question, monsieur Peppa Pig? Bien sûr, tu peux me poser toutes tes questions. Pourquoi quand on tapote du pudding, ça fait même bruit quand vous copulez, toi et ta femme? C'est pour ça qu'on appelle ça une séance de pudding. On adore faire ça tous les soirs. Mon petit Pedro, fais-nous voir ton talent. Alors, ceci est un verre d'eau.
C'est mouillé et c'est transparent. Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître. Por favor, fermez les yeux. Il fait tout noir. Ouvrez les yeux. Et comment il a fait? Moi, je vais jouer la chanson de Titanic. Et ben moi, je sais faire le bruit de la moto. Et je me suis trompée, c'était une mobylette. Là, je vais vous faire une moto à propulsion. C'était vraiment de la grosse merde. Et moi, on me dit que j'ai la même voix que Céline Dion. Evidence, Baltrins, go away! Céline Dion en sueur. La 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 la. Oh non, je me suis chié dessus encore. Hop là, à laver. Et maintenant, dans la machine. Et en mode vibromasseur. J'aime bien être à poil, mais là je vais mettre le seul vêtement que j'ai, car vous êtes des gros radins. Eh oh, ta gueule, hein. Oh merde, ça détend le maillot de ton père. Oh non, Mama Pig est daltonienne, elle ne sait pas différencier les couleurs. Comme ton père, c'est un gros macho, il va croire que c'est un maillot de fille. Oh mais chérie, c'est ton maillot, tu te mets au foot. Oh c'est vraiment marrant, hein, mais reste à la cuisine. Ferme ta gueule pour voir. Et non, en fait, c'est ton maillot pour ton équipe de tempête. Tu savais que le rose, c'est pas que pour les filles? Ouais, faut reconnaître que ton équipe est nulle, hein. Bah ouais, papa, à l'autre match, tu t'es assis sur le ballon et il s'est pété comme votre lit. C'est pas de ma faute s'ils font des ballons et des lits pas assez résistants. Et puis j'avais confondu votre mère avec le ballon. Bleh. Oh, une araignée! Je suis Spider-Man, fils de pute! Oui, je t'ai vu avec la voisine hier. Avoue que t'as fait une séance de pudding avec. Oh, et ben quoi? C'est interdit de manger du pudding avec sa voisine, hein. Je vais te péter une pétée ce soir. Allez, bonne nuit, Spider-Man. Coucou. Va me manger. Il y a une araignée dans ma chambre. Faut pas avoir peur, on va pas te manger. Bon, allez, où cette pute? Ah, j'avais oublié que j'avais pas de couilles, je vais chercher ta mère. Mama Pig. Elle a une tête à s'appeler Spider-Jean. Spider-Man. Bon, je vais à la rescousse parce que votre père n'a jamais de couilles. C'est à se demander comment vous êtes arrivé au monde. D'ailleurs, vous êtes peut-être adopté. Ah, cool. Maman, je te présente Spider-Jean. Oh, je rêve à ma souris, cette pute. On est fou, dodo. Mais non, Georges, elle a pas eu encore son goûter. Donc avant, il faut qu'elle aille te manger. Tu vas bien te régaler parce qu'il est plein de gras. Miroir, miroir, sois sincère. Dis-moi qui est la reine des grosses cochonnes. C'est toi, Peppa Pig. T'as vu ça? Wesh, je suis la reine des cochonnes. Et moi, je suis une sorcière. Miaou. Et je possède une baguette magique. Et moi aussi, j'ai une baguette magique. Sauf que moi, je l'ai achetée chez Ollivander. Bah, la mienne, on va voir si elle va faire un quai d'apprendre dans ta gueule. Ah, au secours. Oh là là, Georges a eu peur de son propre reflet. Mais qu'il est con. Miaou. Je suis une sorcière, j'étais à Poudlard et pas toi. Bah ta gueule Harry Potter, moi j'ai pas besoin d'aller à Poudlard pour avoir une baguette magique. Oh, tu arrêtes, hein. Ouais, je suis une grosse rageuse. Et une grosse connasse. Ouais, je suis une carotte, je peux me manger. Oh, c'est pareil pour moi. Qui veut un rôti de porc à la carotte? Moi. Georges, pourquoi tu as une tête de débile? Ting ting. Je connais un moyen pour guérir ta débilitude. Tu dois faire comme si tu étais un beau petit oiseau. Et ensuite, tu dois tirer la langue comme ça. C'est presque ça. Mais avant, est-ce que tu veux entendre le son le plus doux du monde? C'est un son qui sort des tripes, mais qui est tellement doux à l'oreille et qui libère comme la reine des neiges. Attention, tu es prêt, Georges, à entendre ça? Que je suis une grosse cochonne. Regardez comment je suis trop débile. Oui, je vole comme un petit oiseau. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe it touch the sky. Ouh. Oh bah merde, alors je suis coincée. Elle est trop bête. Arrêtez, c'est pas drôle du tout. C'est parce qu'on adore se foutre de ta gueule. Ah bah sympa.
sympa, d'accord. Grosse merde, va. Sous les joues de maman. Oh là là, ça chatouille. Oh là là. Moi aussi, je veux faire pareil. Oui, allez. Oh là là, Peppa Pig est coincée sous la techa à sa mère. C'est vraiment chelou, d'ailleurs. Mais t'es trop grosse, ma fille. Ça me rappelle tes souvenirs avec ton père. Vous avez vu mon dessin du coffre à trésor est super bien fait, je suis trop doué. Je suis même plus doué que vous, mes petits moussaillons. Non. Et ta gueule, la biquette, sinon je vais faire du fromage avec ton lait. Attends, David, pourquoi je suis gros? C'est parce que j'ai mangé une grosse biquette. Oh. Donc méfiez-vous, et encore moi, ce n'était qu'une biquette. J'ai un ami qui a mangé tout un troupeau. C'est Papi Pig. Oh my god. Wesh, bien ou quoi? Je te ramène une biquette. Formidable. Formidable. Et maintenant, qui ose me dire que l'argent ne pousse pas des arbres, bande de débiles. Je t'apporte un peu de thé pour accompagner ta biquette. Oh merci, je vais te mettre une pétée ce soir. Bon, ma biquette elle arrive, je vais appeler Uber Eats. Wesh, ça arrive ou quoi? Sinon je vais te mettre une étoile sur 5. Mais puisque je te dis que mon prénom c'est pas Uber, c'est Jack, comme Jack Sparrow. Peppa aime beaucoup le fromage. Croissant, baguette. George est le fils de Poutine. Pedro ne connaît pas la géographie. Yeehaw! Zoé est une japonaise. Konnichiwa! Suzy est l'Ukraine. Et madame, je crois que George y m'aime pas trop. Non mais rigolez pas, il veut tout bombarder chez moi et ça c'est vraiment pas cool. Hein. Oh bah on savait depuis longtemps que George était un petit bâtard. Hein. Je vais lui offrir du camembert, ça va le calmer. Et je crois pas, non. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et maintenant, regardez les meilleurs moments drôles des K-pop Idol. Abonne-toi à la chaîne et mets des pouces bleus aussi. Commente, partage. Si c'est moi qui te dis, alors faites-le. Abonne-toi, mon petit army.